Laura, bonjour, ta question. Oui, c'est pour Éric Nolot. Il t'écoute. Je voulais savoir, malgré que tu sois décrié souvent dans la presse... Alors, malgré que c'est français... Malgré que je recouvre. Hein. Très, très mauvaise tournure de phrase. Au frigo, prends un bouquin de rhétorique, rappelle-nous. Allez, bien que, ça ira. Non, malgré que, c'est rédhibitoire. Malgré que, c'est pas possible. Manuel. Alors. Malgré que j'ai la sympathie pour elle. Bonjour, Manuel. Ouais. Bonjour. Tu voulais poser une question à qui? À Thierry. Thierry Roland, d'accord. Alors, comme je sais qu'il est maintenant sur la 6, est-ce qu'il compte faire une autre émission différente des autres pour qu'on voit un petit peu le foot étranger, mais pas que les grandes équipes, c'est d'autres équipes aussi. Bon, il faut des spectacles un peu. Voilà. La réponse est oui, Manuel. On t'embrasse. Marc. Oui, bonjour. Bonjour Marc, ta question. C'est une question pour Éric Nolot. Éric Nolot. Oui, il est là. Bah, la réponse est non, Marc. Éric, est-ce que Ramayad a fini par moutonner? Ah bah oui, alors référence à l'avant-dernière émission de Thierry Ardisson où tu as voulu intervenir sur l'interview de Ramayad, elle a dit vous répondrez quand on vous sonnera. Eh bien, la question suivante, je lui ai dit, est-ce que vous pouvez me sonner? J'ai une question à vous poser. Elle m'a sonné et j'ai posé ma question. Et elle est très jolie, Rama. Très jolie. Ah, oui. Et il paraît... Et très grande. D'aucun disent qu'elle n'est pas farouche. Avec moi, si. Oui, avec toi, ça n'a pas... Je suis désolé. J'aimerais avoir quelque chose alors, de plus conscient. Alors, on va prendre l'avis sanitaire d'un spécialiste. Quelles précautions doit-on prendre quand on pénètre un ministre, une ministre, Patrick Pelot? Est-ce que ce sont les mêmes que... Oui, c'est parce que ça t'est déjà arrivé. Ah, je sais pas, vérifier que. Oula. Elle n'est pas. Fais gaffe, ne réponds pas. Joker, non, pas du tout, pas de joker, non. Pas comme tout le monde, vaut mieux mettre des préservatifs, il n'y a pas de raison. Est-ce qu'il y a des capotes spéciales ministres ou ça n'existe pas encore? Ouais, elles sont faites à partir de dossiers politiques, en fait. C'est des trucs très. Tu vois, très rigides. Merci pour cette réaction incroyable. Il n'y a pas de quoi, merci à vous. Merci bonsoir. Patrick Pelot. Bonsoir, à bientôt. Éric. Ça va, non? Attends, j'ai une question pour Thierry Roland. Il t'écoute. Thierry, qu'est-ce que tu aimes en Club Bœuf que tu n'aimais pas chez Jean-Michel Larquet, par exemple? Les morceaux du bœuf que tu préfères. Non, mais on ne peut pas comparer. Franck Leboeuf, j'ai fait deux compétitions avec lui. Jean-Michel, j'ai fait 26 ans avec lui. Alors, c'est pas, on peut pas. Est-ce que tu pourrais passer un message à Jean-Michel Larquet? Ah oui, bah c'est con, on avait sa femme à l'instant. Tu t'occupes de tes fesses, par exemple. Alors, la légende dit que tu t'es fait sodomiser par un âne mort et ça a déclenché ce rire qui ne t'a plus quitté. Non mais, attends, je sais que j'ai un rire à la con. T'as pas entendu Dominique Farrugia? C'est pas mal non plus.